Salut tout le Puis de toute façon, monde! Mandalorian c'est Hey, meilleur, salut c'est Jean. Boba Fett. Ouais. Quoi? C'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Mandalorian c'est mieux que Boba Coucou. Fett. Ouais, et Clone Wars c'est mieux que Mandalorian. C'est vrai, totalement. 100%. Y a aucun débat Et là-dessus. Rebelle c'est mieux que Clone Wars. C'est faux. Barbie Et c'était le mieux que mieux c'est le Mandalorian dernier aussi. épisode de Star Wars. Du coup, c'est une fin de partenariat pour du gré des jeux. Merci beaucoup d'être passé. Dis ça parce que t'es jaloux que Rey soit le meilleur personnage jamais. Dans cet univers le plus travaillé. Du coup, j'espère que vous allez bien et que je vais me réfréner de faire du mal à Zerk, bien évidemment. Comme vous le savez, hein, c'est toujours aussi animé. Vous avez commencé à exposer votre plan au Twi'lek, et maintenant, il va falloir mettre en place le stratagème que vous souhaitiez. Ce plan, qui était de pouvoir vous échapper de souvenirs par l'extérieur, tout simplement, en passant avec des combinaisons spatiales et remonter au hangar où se trouve votre vaisseau. Avec les deux Twi'lek, bien évidemment. Oui, c'est l'idée. Bien, je vous écoute, messieurs. Qu'est-ce que vous faites ? Capitaine, après toi. Bien sûr, alors... Avant tout ça, vous ça nous dire... Ah, Mandalorienne... Elle a été perdue. elle a fait une nouvelle vie. Oui, c'est ça. Elle a été oubliée. C'est devenue une mineuse, elle teste des trucs. C'est ça. Ça va être un vaisseau toute seule, je pense. Oui, c'est 100%. Vous ça savoir par où être la sortie pour attaquer, pour le travail, pour attaquer les monstres en extérieur? Bah ouais, après, en fait, il faut demander l'autorisation auprès du poste de commande, et puis ils vous font sortir, quoi. Ok, alors, vous ça, m'expliquer comment tout ça se passait pour que nous ça, pouvoir faire le nécessaire et vous faire sortir. Bah, c'est pas difficile, vous prenez votre uniforme, vous allez les voir, vous demandez à ce que vous déplaciez des prisonnières jusque là-bas pour aller effectuer une basse besogne, et puis c'est tout, enfin, je sais pas. Ok. Tu vois qu'elle te regarde en mode, bah, c'est un peu obvious, enfin je sais pas. C'est obvious quand t'es là depuis 5 ans. Bah oui, non nous, mais. Nous on est à l'air libre, on est des libres. Bah oui. Nous on est libre, d'accord? Pas toi. Je Donc, suis libre. Regarde ses cheveux au vent, je montre ça pas. du coup, non, ce qu'on va faire, c'est. On va les encadrer, du coup. Sabam, Rai, Vusa. Escorter elle, Jinklas, Tissa, rester avec moi. Nusa, prendre la tête. Ok, et chef. On va aller au poste de contrôle. Ça marche. Du coup, bah vous allez tout simplement y aller. Donc le poste de contrôle n'est pas très très loin. Bon, de toute façon, vous en avez passé plusieurs. Captain, c'est toi qui mène la marche.
Donc tu commences à te diriger vers le poste de contrôle, tu vois qu'il y a plusieurs gardes, alors ils sont plus ou moins en pause pour certains, hein, parce qu'en même temps, bon, c'est quand même assez calme, même s'il y a quelques gens qui se rebiffent un peu de temps en temps, mais comme ils ont tendance à les buter, ils se font pas trop chier, quoi. Et donc tu vois qu'ils sont en train de jouer à un jeu de sabac, pour le coup, donc ça joue avec des cartes, et ça a l'air de bien rigoler quand même. Donc ils sont à peu près 3 à l'intérieur. Tout à fait, ouais, tout à fait, vous avez encore vos uniformes. Question de l'or. Le sabac, c'est un truc qui est connu ou c'est un truc typique d'ici? Ah non, c'est un truc super connu. C'est pas normal qu'ils y jouent, je veux dire, c'est pas un truc. C'est aussi connu que le poker, tu vois. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, vraiment. C'est un peu ça, c'est leur poker à eux, on va dire. Oui, d'une certaine manière. Leur jeu de cartes principal. Mes excuses pour cette interruption. Je t'en prie, le sabac, par exemple, si vous avez vu Solo le film, ils y jouent à la fin. C'est comme ça que Han Solo récupère son faucon millénium. Voilà. Par contre, j'ai jamais compris. Je l'ai vu 20 fois jouer, j'ai jamais compris. Ouais, c'est très difficile. Mais les jeux de sabac existent, hein, pour le coup, si jamais ça vous intéresse. Je préfère le Pazak et. Parce que c'est plus sympa. C'est sur Board Game Arena en plus, à tous les coups. Je pense, peut-être. Donc, ils sont en train de jouer, donc tu t'approches, Pouek. Tu vois qu'ils te regardent en mode, bah, de toute façon. Ils t'ont jamais vu, hein. Ouais. Noussa voudra vouloir passer avec Elsa pour les amener. Des parasites avoir été vus à l'extérieur. Ah bon, ça devoir s'en débarrasser. Il y a encore des Minocs qui sont sur la carlingue. Oui. Bon, vous avez les papiers, les autorisations. Parce qu'il faut que je vérifie juste si les accréditations sont bonnes. Si vous avez deux secondes. Nous avons les papiers et les autorisations. Fais un geste, s'il te plaît. Ça commence. Pas de temps perdu. Non, mais il a raison de le faire. Il a totalement. J'ai même pas eu le temps de te dire oui, je me retourne vers toi. Tu sais, c'est vraiment le réflexe. Mm-hmm, oh, sainte succès, bah, bien sûr. Il y a un triomphe. Deux fois les papiers. Oui, vous avez raison. Il n'y a pas besoin des accréditations. Du coup, bon, bah, tu vois qu'il est en train de pianoter. Je vous donne les autorisations. Tu vois que du coup, il te tend un pass. Pouek. Bon, je sais pas si vous avez, si vous êtes déjà passé dans le coin. Moi, votre tête, elle me dit rien, mais bon, comme on recrute pas mal de nouveaux, vous insérez le pass. Un gros bras pour gérer les émeutes. Ouais. Bon, en même temps, avec ce que j'ai entendu au-dessus, tu m'étonnes. Du coup, bah, vous insérez le pass, ça vous emmène dans le sas de sécurité. Vous transférez les tenues aux deux prisonniers. N'hésitez pas à leur mettre les colliers électriques et colliers explosifs au cas où, hein. Donc comme ça, si bien jamais il y a une difficulté, vous savez quoi faire. Et puis bah, vous restez dans le sas en attendant à les observer le temps qu'elles fassent le boulot et qu'elles reviennent. Oui. Ouais, ça marche. Ça me paraît bien. Faites gaffe par contre, parce que si jamais vous ouvrez le sas trop vite, les dépressurisations, elles ont tendance à se faire un peu dangereusement. Donc, oh, ça serait bête que ça arrive. Hein. Ouais. Bah, on a perdu un gars l'autre fois là. C'était pas très beau, donc bon. Après, c'est les quotas. Oh. Hein. Nous, ça faire attention et pour Elsa. Elsa perdue, ça va pas être grave. Non, clairement pas. Bah, du coup, tu as récupéré le pass. Je vais récupérer des colliers. Ouais. Alors, les colliers seront dans le sas en fait où vous allez aller. Donc vous pouvez y aller, hein, vous pouvez les emmener sans problème quoi. Et pourquoi tu prends les colliers? Parce que ça pourrait nous servir dans le hangar. C'est exactement ça, être utile pour plus tard. Si nous ça, devoir faire pression sur quelqu'un, ça va être meilleur moyen. Ouais, peu bête. Vu les vaisseaux qui sont arrivés récemment, je pense que ça pourrait être utile. Tu sais, c'est l'occasion qui fait le larron. Jinkless, il baisse les yeux quand tu parles des vaisseaux qui sont arrivés récemment. Ça, pas de soucis. Ça va bien se passer. Il est lève pincé, tu sais, il dit rien. Ça va les avoir déjà eu, nous, ça a recommencé. Du coup, vous commencez donc à vous diriger vers ce sas. Alors, c'est pas très très loin d'ici, en fait, vous rendez compte qu'il y a plusieurs sas qui existent, qui permettent de sortir à l'extérieur, et en fait, la plupart sont sécurisés par ces passes-là, tout simplement parce que ça désactive
et les faisceaux laser, mais aussi les tourelles qui sont présentes pour éviter de se faire défoncer. Alors, ce sont des tourelles, encore une fois, paralysantes ou cryo, mais enfin, si jamais ils surchargent un peu trop, tu peux en crever. Ouais. Elles sont à l'intérieur ou à l'extérieur ? Elles sont à l'extérieur. À l'intérieur, ce sont les gardes qui vont envoyer les personnes, qui vont prendre en charge les prisonniers. Donc, en fait, c'est un laps de temps où les prisonniers peuvent tout simplement s'énerver et casser la gueule des gardes. Sauf que, dans ce genre de situation, bah, le sas, t'as juste à appuyer sur un petit bouton, il est dépressurisé, donc il meurt, les gens à l'intérieur. Ouais, c'est pas grave. Sympa. L'avantage. Hein. Alors, vous arrivez au niveau du sas, donc c'est, tu mets le truc, t'appuies sur le bouton, la porte s'ouvre, et vous voyez en fait qu'il y a plusieurs casiers qui sont présents avec de l'équipement minier, etc., de l'équipement, enfin des combinaisons spatiales qui sont pas forcément dans un très très bon état, mais qui suffisent pour aller faire le travail qui est demandé. Par contre, le moindre scratch, le moindre éclat, et c'est fini, c'est une dépressurisation de la combinaison. Est-ce que j'ai... Enfin, je sais pas, c'est possible, parce que je connais pas les combis de Star Wars. Ce serait possible que je les répare ou je sais pas, que... Tu peux faire un check-up avant de partir, bien sûr. Bidouiller, au moins un check-up, tu vois, qu'on prenne pas une quai déjà percée, en fait. Alors, bah, ça paraît con, mais... C'est une super idée, en vrai. Ce serait un peu ballot, quoi. Tout à fait, non, c'est une très bonne idée. Je peux mettre un peu de Chatterton, ça ira mieux. En vrai, j'y avais pas pensé, c'est une super idée, parce que... Le Barney... Ah non, mais c'est tellement une possibilité en fait. T'as totalement raison. Hein. On n'achetait pas de Barney, ça pollue de ouf. Pourrais-tu que les gardes courent pas derrière nous, les autres uniformes, tu fais des petits trous dedans. Avec des aiguilles, pic 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 pic. L'enfer quoi, l'enfer. Non, c'est vraiment pour les prisonniers. Je fais quoi comme test par contre, copain ? Tu vas me faire un test de mécanique s'il te plaît, la difficulté est de 2. Okay, Space Rustine, effectivement. C'est parti ! Deux succès. Ah, effectivement, t'arrives à... Elles sont toutes pétées. Ah. Alors non. Il y en a certaines qui sont clairement pétées et tu te dis, putain, la première personne qui va la mettre, qui va aller à l'extérieur, elle est morte, c'est sûr. D'autres, ça va. Et effectivement, il y a de la rustine et autres. Donc tu vas les colmater un peu comme tu peux. T'as aussi Enfin, tu vois qu'il y a du matériel pour ça. Hein, donc tu vas vraiment attraper les trucs et les reformer, les aspérités, etc. Vraiment, ça te prend... 2 minutes, hein, c'est juste revérifier tout ça, etc. Et ça permettra de mieux étanchéifier les armures et les tenues. Évite tout problème et toute difficulté. Au niveau de la visière, c'est comment ? C'est comme dans les combinaisons de cosmonautes, c'est où c'est juste une bulle de verre ou c'est quoi ? C'est des lentilles ? C'est une bulle de verre. Ouais, c'est une bulle de verre. Je les nettoie. Ok. Bon, ça, y a pas de problème. Extérieur. Ok. Voilà, tu sais, puis je mets un petit coup de polish à la fin. C'est le petit glavio et. Ouais, c'est ça, je crache dessus. J'ai une question par contre. Oui. La dépressurisation, tu peux la faire depuis l'intérieur du truc ou pas ? Oui. Parce que là, de ce que tu dis, c'était à l'extérieur que tu. Tu peux le faire de l'intérieur aussi, bien sûr. Tu peux aussi le faire de l'intérieur. En fait, une dépressurisation, c'est pas si difficile à faire que ça. Oui, on a du matériel, mais. C'est juste, est-ce qu'on peut activer l'entrée, enfin la sortie depuis l'intérieur du sas ? Ouais. Par contre, en fait, tu actives la sortie au moment où tout le monde a sa tenue, sinon... Alors oui, on va attendre pour l'instant. C'est pas très drôle. J'aimerais d'abord faire un petit jet de vigilance avant qu'on rentre tous dedans, histoire que... Parce que j'ai l'impression que ça peut paraître suspect qu'on rentre tous à l'intérieur là d'un coup. Donc juste éviter qu'on soit... Tu peux faire un jet, ouais. Oui, on sera dehors, mais bon, comme on a dit, si on peut éviter de se faire courser direct, puis s'ils peuvent activer des tourelles au moment où on est à l'extérieur, on serait con. Oubliez pas que vous avez toujours vos blasters miniers, etc., hein, qui peuvent permettre de faire des dégâts. Alors, c'est vraiment pas ouf, mais... Ils ont quoi comme matos pour rester accroché ? Ils ont des grappins comme ça pour rester accroché à la station ? Oui, tout à fait. Alors, du coup, ça sera vraiment des vrais grappins, tu sais, magnétiques. Donc au niveau d'une comme une arme en fait, c'est-à-dire que ça va te prendre une main, mais c'est comme un pistolet grappin magnétique. Donc tu vas devoir tirer dessus et après te redresser. Je pense que ça peut toujours servir. Pourquoi ? Et c'est une très bonne chose que tu poses la question, parce que il y a des bottes magnétiques bien évidemment. Par contre, il y a pas de bottes avec répulseur ou de jetpack. Bah non. Sinon les gens ils font salut. Bah oui. Bon après au pire ils font salut et ils reviennent jamais. Hein. Oui, mais ce sera pas et salut, ce sera et bam. Aussi. Mais par contre, c'est bottes magnétiques et grappins. Je ne savais pas après, du coup, si tu t'éloignes assez et tout, et que t'as un vaisseau qui vient te chercher, je
je pense que tu peux activer un peu. Ouais, mais il y a quand même des systèmes de défense. Donc, Oui, oui, bien sûr. Mais... Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, vous avez donc géré tout ça, vous avez pu réparer ce qu'il y avait besoin. Je descends les jets, excusez-moi. Et au niveau de la vigilance, non, il n'y a pas de... Personne, en fait, ne se pose trop de questions parce qu'ils sont un petit peu occupés. Par contre, tu vois que ça commence à bouger un petit peu au niveau du premier sas que vous avez vu. Vous savez, quand vous êtes arrivé, vous avez neutralisé des gardes. Ouais. Oh. Ça commence à bouger dans ce coin. Parce qu'en fait, l'ascenseur a été activé et des gardes sont descendus. Et là, ça commence à paniquer un petit peu. Bon, bah on va enfiler ça vite fait. Ouais. Au bas mot, vous avez 45 à 1 minute, 45 secondes à 1 minute avant que l'alerte se déclenche. Oh, bon. Faut vous dépêcher, clairement. Je mets mon casque. Ce qui est le plus simple pour toi. Je fais un jet de... bien habillé. Oh, jet d'habillé. Ah, allô ? Allô ? Oui. Ah, il y a eu un tout petit bug. Sur Twitch ? Je sais pas si c'est sur Twitch. Alors moi, j'ai beaucoup de freeze sur Twitch. Je sais pas si vous avez pareil. Il y a un petit lag. Mais j'ai quelques freeze sur Twitch. Ah, excusez-nous. Je vous entends bien et tout au niveau du son, moi j'ai aucun souci. Par contre, il y a des petits. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai perdu Antoine. Ah non, je suis là. Ah bah j'ai plus ta cam. Ah, non, ta cam a sauté, ouais. Ah, ma cam a sauté. Ouais. Ok, c'est mignon. Avec ses petites jambes de cam. C'est mignon. Alors par contre, on te voit toujours sur Roland. Excusez-nous, il y a eu un petit problème sur Twitch. Donc, excusez-moi. Ça s'est revenu, c'est revenu. Il y a eu un petit. Je sais pas la si cam est toujours là sur Ninja ou... Ouais, c'est revenu. Ouais, alors Ninja, ça a jamais bougé. C'était l'autre qui avait. C'est que sur Twitch. Désolé du coup pour ce petit contretemps. Donc vous êtes en train d'enfiler les combinaisons. Il n'y a pas de jet à faire pour enfiler une combinaison. C'est rien de sorcier. C'est une chose que vous avez déjà fait plusieurs fois. Hein, donc rien de bien particulier. Par contre, vous vous dépêchez. Parce qu'effectivement, vous voyez les gardes qui sont en train de se diriger vers le premier poste de sécurité. À essayer de voir ce qui se passe, etc. Et au moment où Pouek, tu vas activer la dépressurisation, où tu vois que tout le monde est prêt. En fait, tu vois qu'ils vont activer l'alarme. Alors, juste avant d'activer la dépressurisation... Ouais. Dry, ouais. Tu déroules... Je sais que t'as ton grappin de bras. Déroule-le. Moi, je vais dérouler le mien aussi. Et on va tous s'accrocher au moins une main à un grappin pour rester ensemble. J'ai un grappin de bras, moi. T'as un grappin de bras, non ? Un grappin à main. Un poignet à lance-grappin. Oui, t'as un lance-grappin. Au-delà d'avoir un pistolet grappin, en plus. Ouais, ok, je l'ai plus. Okay. Si, c'était dans ton armure. Oui, ton armure, juste. Ok, nice. Mais Jal, du coup, c'est quoi le plan ? On retourne jusqu'au hangar par l'extérieur ? Exactement, on retourne jusqu'au hangar par l'extérieur, on récupère notre vaisseau, on récupère les retardataires et on se casse. Mais je passerai derrière s'il y en a un qui se fait embarquer ou qui. C'est toi qui as. T'es notre moteur, tu pourras pas passer en arrière. Moi, je suis pas pilote, mais une fois qu'on est au hangar, ils vont forcément nous voir à un moment, non ? On gérera à ce moment-là. Oui, mais du coup, s'ils ferment les portes, on est un peu comme des glands, non ? Parce qu'en plus, alors, si on tire, ça fait boum boum. Oui, oui. En fait, il n'y a pas de porte. Dans Star Wars, c'est plus une sorte de rayon magnétique qui bloque, en fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais ils ne peuvent pas le verrouiller en cas de force majeure. Si, mais de toute façon, le vaisseau, là, est bloqué avec un rayon tracteur, donc il faut qu'on le... Ah oui, c'est vrai, le rayon de John Deere, oui. Mais alors... Par contre, Sabam, t'as soulevé quelque chose. Parce que moi, je pensais que Rai allait avec son jetpack, nous diriger. Et là, tu viens de dire qu'avec le jetpack, tu pouvais faire éclater. Ah oui, tu peux pas utiliser le jetpack. Non. On va y aller. Donc, tu peux rester derrière. Ouais, tu peux rester derrière. Alors, pour moi, t'étais le moteur qui allait avancer avec ton jetpack et nous. On marche. Moi, je reste derrière. Comme ça, s'il y en a un qui se fait décrocher, je pourrais le récupérer. Vas-y. Bah, du coup, je passe devant, moi, avec mon grappin et. Je déroule mon grappin pour que tout le monde s'accroche au moins le poignet au grappin. Genre un peu comme une sorte de corde de sûreté. Et je vais avancer devant. Et du coup, toi, Wright, si jamais il y a quelqu'un qui lâche ou autre, tu peux l'attraper avec le tien. Tu restes en sécurité. C'est une très bonne idée. Ouais. Du coup, lorsque vous appuyez sur le bouton de dépressurisation, vous entendez un qui commence à se déclencher, bien évidemment, avec le... Et vous entendez tout simplement la pression qui est en train de s'échapper progressivement, toute l'air en fait qui est en train de quitter la pièce, et la porte juste en face de vous qui
commence à s'ouvrir tout doucement. Vous n'êtes pas à peine ni quoi que ce soit, mais vous commencez à passer en apesanteur. Et vous pouvez donc commencer à avancer dans l'espace. Donc, Pouek, tu as tiré avec ton, tu prends ton grappin, donc tu vas pouvoir tirer. Je vais juste le tirer dans le vide et tu sais, bah, avec la pression, il va pas bouger. Et je vais le, il va quasiment pas bouger. Et je vais le juste le dérouler pour qu'il soit tout le temps. Ouais, tout à fait. Déroulé, en fait. Tout à fait. Activer les buffs nanitiques. Oui, c'est une très bonne idée aussi, par contre ça. Ouais. Du coup, les... si les nanas aussi ont des bottes magnétiques. Tout le monde a des bottes magnétiques, y compris les prisonniers. Bah, sinon, c'est pas drôle, hein, les pauvres. Autant pas leur donner de combi, quoi. Je vais regarder les deux Twi'lek et je vais dire alors, ça y est, prête à faire des folies. Tu vois, clairement, elle te regarde, l'air de dire vas-y, avance. Et elle te suit, du coup. Et on va y aller. Ce qui est bien, c'est qu'on voit le hangar, je pense, de là où on est. Ouais, tout à fait. Alors, c'est plusieurs étages plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez... Ça va être très drôle, mais vous allez vraiment être en ascension, vous savez, sur la station. Hein, vous êtes en train de marcher sur la station. C'est un peu stylé. Mais vous allez voir les gens travailler, en fait. C'est ça, justement. Tu sais, vous regardez par le hublot, mais pourquoi il y a ça? Ouais, c'est vraiment ça. C'est en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Du coup, Pouek, donc toi, tu as lancé ton grappin. Donc les autres, vous commencez à suivre et les boîtes magnétiques font bien leur travail. C'est-à-dire que vous êtes en train d'avancer tout simplement sur le sol pour et puis vous commencez à monter surtout. Vous arrivez sur la sur le mur en fait. Ouais, littéralement. Et vous commencez à arriver sur la première paroi qui est de la station. Vous voyez que la station elle est immense avec des vaisseaux partout, etc. Vous voyez qu'il y a des drones qui sont envoyés pour aller réparer certains endroits de la station. Vous voyez aussi des prisonniers qui sont en train de travailler à l'extérieur. Et vous voyez aussi sur certains endroits de la station des espèces de poches avec des choses, avec des ailes qui sont tout simplement collées dessus et qui bougent pas. C'est pas forcément très gros, mais c'est un peu chiant pour le coup. Des choses avec des ailes, t'as dit ? Ouais, des ailes. Genre, c'est animal ou... Ouais, c'est animal, clairement. C'est ça que vous devez chasser quand on vous met à l'extérieur ? C'est ça que vous allez devoir chasser ? Ouais, c'est les Minoc, faut faire attention, c'est quand même dangereux. C'est moche ! Alors oui, c'est très moche. Si jamais vous avez vu l'épisode 6, on en voit des Minoc dans Star Wars. Attends, je vais voir ça sur Google, parce que je crois que je figure pas assez. C'est moche, c'était de Jean Class. comment on l'écrit, Minoc? Alors, je vais faire MYKNOK, je crois. C'est K. C'est K. Alors, je vais en profiter, je vais vous le montrer. Épisode 5, pardon, excuse-moi. Ah, c'est moche. Oui, c'est moche. Je vais vous le montrer sur le chat, bien évidemment. Sans déconner, ouais, c'est moche. Ça ressemble à quoi d'ailleurs? Ah, oui, c'est les trucs qui sont dans l'astéroïde. Bah, il est du coup dans un astéroïde. Bah, oui, c'est dans un astéroïde. Oui. Et oui, mais ce n'est pas un astéroïde! Ouais, oui, non, d'ailleurs, c'est pas dans un... Voilà, ça ressemble à ceci, hein, Minoc, pour information, pour vous, viewers. Donc c'est très moche, et en fait, leur spécificité, je vous fais pas faire de jet, parce que vraiment, tout astropilote ou tout couillon qui est un peu baroudé dans la galaxie, sait que ces merdes-là, ça draine l'énergie et ça pète tout sur un vaisseau. Voilà, ça s'accroche, en fait, et ça mange. Ça mange l'énergie, ça pompe tout. C'est vraiment dégueulasse. C'est des sangsues avec des ailes. C'est des sangsues de l'espace. Oui, ils ont fait pour survivre avant que les humains inventent les vaisseaux. Parce que c'est de l'énergie partout. Et puis au-delà de ça, c'est des bestioles qui vivent dans l'espace. Il y a beaucoup de choses qui vivent dans l'espace. Des choses pas très très cool. Extrêmement dangereuses. Genre les tyrannides. Oui. Mauvais univers. Mais garde l'idée. Pardon. Je suis en train de faire Ball Gun en ce moment, ça me... Mais du coup, vous envoyez quelques-uns, et c'est vrai que si jamais vous les dérangez, ils risquent de vous attaquer. Donc. C'est vrai, c'est le problème. Cette remarque adressée directement à Jinklas, mais de manière. C'est très agressif. Oui, bon. Ok. On avance, oui, c'est bon. Oh, ouais. Pas là pour enfiler des perles, quoi. Alors, vous parlez avec vos casques, hein, donc vous savez, ça fait un truc un peu étouffé. Vous êtes quand même en com, etc. Vous entendez aussi. Oui, c'est ça, ça. Ouais, t'inquiète, ça va bien se passer. Et vous voyez surtout, en fait, dans la zone où vous étiez, les alarmes qui sont en train de retentir, etc. Vous voyez les prisonniers qui sont les mains sur la tête et autres. Tout le monde est en train de checker, etc. C'est un gros bordel, vraiment. Tandis que vous êtes en train de monter. Je considère que au bout d'une dizaine de minutes, vous avez déjà passé le premier sous-sol. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. Vraiment, c'est plutôt tranquille. Vous voyez qu'il y a quelques drones par-ci, par-là, etc., qui ont tendance à se promener. Vous arrivez donc
ou moins 2, là où vous avez foutu la merde, hein, je tiens à le préciser. Moins 2, c'était avec les tourelles. Oui, c'était avec les tourelles. Et en fait, le moins 2 est plongé dans le noir. Total. Hmm. Ah, ils ont coupé le courant pour maintenir les... Pour empêcher les tourelles, ils ont... Il n'y a plus rien. Vous voyez rien du tout à l'intérieur. Eh, c'est quand même pas normal, ça, non? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Mais non, mais on en a rien à foutre, je suis bien d'accord. N'empêche que c'est pas normal. Shrimpy? Oui. Je vais préparer une couille. Quoi? Quoi? Je crée un lien empathique avec les Minoc. Ok. Juste, je ne vais pas chercher à leur faire faire d'action, je ne vais pas chercher à les influencer, je vais juste créer un lien empathique, créer une connexion au travers de la force. Ouais. Et ce sera probablement utile plus tard. Ok. Si t'as le plan ouais. auquel je pense, oui. ça peut être fou. Alors, je vais quand même te demander un jet de circonstance. C'est quoi, Minoc? De perception? Ouais, ouais, jet de perception. Non, c'est pas un Minoc, ça. Bon, ça y ressemble, en tout cas. Un petit peu. Mais ça mange les câbles aussi. Un succès, t'as quand même un avantage. En fait, tu commences à essayer de te connecter avec ce... Alors c'est très rare que tu le fasses, hein, se connecter avec des créatures vivantes, surtout des animaux. Ouais. Donc honnêtement, c'est vraiment pas le genre de truc que tu sais bien faire. Mais par contre... Ah, ma spécialité. Non, mais tu commences à sentir quelque chose, mais c'est très léger. Et en même temps, tu te rends compte que c'est profondément débile. Que honnêtement, tu sais pas comment ça a réussi à survivre dans la galaxie et comme ça, mais vraiment ça n'a rien dans le crâne. C'est vraiment là pour bouffer tout ce qui se trouve en fait. C'est des charognards de l'espace. Et le comment, c'est probablement juste un bon taux de reproduction. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais ils ont pas d'ordre particulier ni quoi que ce soit. C'est juste ils ont faim et ils sont en train de manger pour le coup. Certains sont même en train de dormir en fait sur la station, qui fait on se rend même pas compte qu'ils sont là en fait. Et tu vois que de temps en temps, t'as certains secteurs, alors t'as les drones qui passent, tu sais, qui les scannent. Et puis en fait, ça balance un laser, tu vois, de minier, tu vois, pour leur griller le cul. Et tu vois le Minoc qui commence à leur sauter dessus. Et vraiment essayer de les bouffer. Hein. Donc t'es en mode, mais qu'est-ce qu'il sait que ce bordel? Et c'est vraiment débile en fait. Pour toi, la connexion est établie, mais pour l'instant, c'est pas assez. Pour que ce soit pertinent. C'est suffisant, c'est une première approche, c'est mon objectif. Peut-être que ça viendra utile plus tard. Très bien. Donc vous voyez cet étage qui est plongé dans le noir, vous ne voyez rien de particulier à l'intérieur, mais il y a quand même un atmosphère assez pesant. Continuez à monter, hein, pour arriver au moins 1. Là aussi, vous avez créé une espèce d'émeute. Là par contre, quand vous commencez à arriver, Jinklas, c'est toi qui va vraiment, t'as pas de jet à faire, hein, mais tu vois remarquer en fait ton ancien crew qui est en train de se promener. Dans l'espace a... Non, pas dans l'espace, à l'intérieur. Et en fait ils sont... J'ai batté pendant une seconde, genre putain ils viennent me chercher, c'est la fin. Ils sont en train de poser des questions à tout le monde, tu vois qu'ils attrapent... Alors quand je dis poser des questions, c'est plus ils attrapent les gens et les mettent contre les murs et ils commencent à leur poser des questions. Quand je m'en connais pas en rappel, là, je serais passé par la fenêtre sinon, comme dans les films. La sécurité va leur tomber dessus. Bah non, tu vois qu'ils laissent faire, la sécurité laisse faire. Bah pas oui, de problème. Ils sont avec les impériaux. Mais ouais, c'est des connards, ils ont rien compris. C'est pas ici qu'il faut aller, c'est dans le croiseur. Je te fais faire un petit jet de circonstance. Un petit jet de... Est-ce que je regarde par la fenêtre? Vous avez de la chance, ils ne vous observent pas. Moi par contre, je vais observer, je vais bader. Hein. Vous voyez que Jinklas, il est trauma, hein. Enfin trauma. J'exagère un peu le truc, mais il est un peu... Tu sais, cette fascination un peu morbide, on va dire, tu vois, pour des gens qui clairement sont des putains de sacs à merde, tu vois, il a du mal à décrocher son regard pour le coup. Mais après, s'il regarde pas, tant mieux, on a de la chance. Mais bah, heureusement que t'es toujours accroché, donc tu vas pas t'arrêter. Ouais, ouais voilà, ça... ouais. Il va être là. Alors, c'est bien que tu dises ça, parce qu'au moment où en fait tu es concentré et tu essayes de ne pas détourner, tu vois qu'en fait, un de tes camarades, donc il s'appelle 8D6B, tu sais que c'est un droïde pour le coup qui est extrêmement dangereux. J'ai jamais aimé ce bâtard. Tu l'as jamais aimé parce qu'en plus c'est un ancien droïde assassin. Donc clairement il est là pour ça. Moi j'aime pas les assassins. Il est tout simplement en train de soulever, vous vous souvenez peut-être de votre cher ami
qui était très gentil, pas forcément le plus vif, mais qui vous a un peu aidé, qui a provoqué avec vous cette mutinerie, qui est juste en train de se faire soulever par le droïde à une main, et vous voyez qu'il lui met des patates dans la gueule, et donc c'est un visage tout à fait tuméfié qui est face à vous, pas très très loin en espace, donc vous voyez votre camarade en train de se faire éclater la gueule. Alors, définis camarade, parce que moi, on lui a dit 5 phrases. moi, c'est mon bro. Hein. Pour moi, il fait partie du crew de mon cœur. Oui, il fait partie du crew de ton cœur, mais c'est sûr. C'est le PJ ou le joueur qui, ou le... Les deux. Pourquoi ça ne pourrait pas être les deux? Est-ce que... Une forme de bleed in, bleed out, tu vois, je veux dire. Est-ce que vous faites quelque chose en voyant cette situation? C'est une petite larme dans mon casque en apesanteur. Malheureusement, je crois qu'on saurait pas faire une chose. À part attirer son attention, mais ce serait très dangereux. Non, mais on est dans l'espace dehors, ils sont à l'intérieur, il y a la gravité. On casse la fenêtre? Non, puis ce serait révéler notre position en plus. Non, on casse ça serait buter tout le monde, surtout. Et révéler notre position, ça impliquerait qu'il laisse les prisonniers tranquilles, là. Oui, mais ça impliquerait qu'on se barre pas, en fait. Et... Je suis persuadé qu'on aura peut-être une occasion de faire du mal. Du mal. De tenter quelque chose pour les prisonniers plus tard. S'ils sont pas là, leur vaisseau est toujours là-haut, t'inquiète pas. Leur tas de boue, là. Ouais. Dis ça pouvoir le piéger. Il est en train de se faire tabasser, mais il est a priori pas en danger de mort. Alors si. Pas encore. Si, si. Il est en train de se faire tabasser par un droïde. Non, il est en train vas-y, de... là, si tu es en danger de mort, je peux pas utiliser la force moi aussi. Il est en train. Alors, c'est pour rappel, hein, c'était quand même un. C'était un Zabrak, je crois, de souvenir. Ouais. C'est un Zabrak de 2m10 qui est en train de se faire tabasser par un droïde de 2m30 avec des points rotatifs et qui est en train de vraiment lui matraquer la gueule. C'est. Ouais, fulguro point. J'en profite. Fulguro... Non, mais tu vois les mandales qu'il lui met. Alors, tu sais qu'un droïde ça fait très mal hein, quand ça te tape dessus. Je sais, il va taper aussi lui donc. Mais là vraiment en fait tu vois qu'il... Mais sans vergogne. Il est en train de lui tabasser la gueule. Alors sans doute qu'il lui a donné les informations ou pas. Vous ne savez pas à quel point cet individu est loyal. Visiblement il était très sympa. Au-delà de ça vraiment il lui casse la gueule. Hein. Vous voyez des dents qui volent et tout. Et il s'arrête pas. Et il s'arrête pas. Ok. Il y a des entrées juste par là. Ouais, il y a des entrées pouvez... de sas dans la zone. Vous pouvez rentrer dans le moins 1 si vous le souhaitez. J'arrive pas à péter la gueule. Est-ce que je peux pas hacker le droïde avec mon datapad depuis l'espace? C'est un peu loin, mais tu peux tenter quelque un chose. Un peu loin. Je peux pas utiliser la force parce qu'en fait c'est une scène qui me saoule. Non, mais c'est vrai. Je pose la question. Je sais pas comment ça marche la force moi. Oh bah, je sais pas si là, genre ou... tu nais Jedi avec la force et pouf, c'est bon, t'es super fort. Ou alors t'es un clodo, tu vois. Je sais pas. Globalement, tout le monde a la force, mais oui, tu nais avec. T'as un degré. Parce que tout le monde a des médicloriens, tu vois. Oui, c'est la question. T'as un degré de puissance dans la force, tout simplement. Et voilà. Puis, plus tu t'entraînes avec, plus tu peux l'utiliser, mais voilà. Exploiter. Mais si tu ne t'es jamais entraîné avec, je peux pas faire des lasers avec mes doigts. Sauf si t'appellerais. Si t'appellerais. Bref. On dérive, au secours, au secours. On parle enfin des vrais persos. Alors, on va pas être copains, Ryder. J'ai envie d'essayer quelque chose. Ouais. J'ai envie d'essayer, au travers de la force, de donner un coup de fouet à notre ami Zabrak. Tu peux lui redonner un coup de peps. Ah, j'ai cru que tu voulais le fouetter pour de vrai. Je sais pourquoi il se serait comme ça, laisse-le tranquille. Je suis pas sûr que ce soit une manière, parce que si genre il résiste, il va juste se faire buter. Ouais. En vrai, je sais pas, c'est Tandax. Là, de la pire qu'on peut faire, vraiment ça sera pire pour lui. Hein. Mais on a rien, nous. Alors, non plus. Jinklas, tu peux essayer. Alors. Étant donné les circonstances, étant donné que tu connais 8D6B, ah bah oui, je le connais, oui. Que tu as déjà désactivé de ces systèmes, tu as déjà travaillé sur sa maintenance, parce que ce connard t'a déjà demandé de bosser pour lui. Hein. Il me paye en salade de phalange, l'abruti. Oui. Si tu me fais un jet de mécanique, alors que je te mets à difficulté 3, oui, bien sûr, ouais. Et je te mets un dé d'infortune, si tu réussis à avoir plus d'un succès déjà, tu arriveras potentiellement à arrêter l'action. À plus, ça peut être du sabotage à distance. Est-ce qu'on peut essayer de l'assister? Et moi, je voulais demander l'avis du groupe pour dépenser un point lumineux là-dessus. Parce que
clairement, voilà. Tu l'as. Vas-y, vas-y. Je mets un point de force, du coup, je sais plus. Alors, oui, dans le... tu rajoutes, en fait, t'enlèves un point de force et tu rajoutes un dé à ton. Tu mets un dé de fortune. Non, tu fais upgrade ability. Ouais, c'est ça. Ah merde. Bon, attends, je recommence parce que j'ai fait d'un patent. T'inquiète. C'est mieux qu'un dé de fortune. Oui, oui. Donc, par contre, si jamais tu loupes, oui. Je fais améliorer la difficulté. Alors, tu mets difficulté 3 et tu as quand même un dé d'infortune. Je viens de cliquer sur améliorer la difficulté. C'est pas ça que ça fait, améliorer la difficulté? Alors, ça il améliore juste la difficulté. Par contre, en fait, dans infortune, tu as 0, normalement. Oui, 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 ça je l'avais mis. Mais du coup, je mets 3 dés en difficulté. C'est et ça. Je vais améliorer l'aptitude. C'est ça, tout à fait. Ok, et ben... Et puis un dé de fortune, parce que la force. Enfin, parce que la force, parce que le point lumineux. Est-ce qu'on peut l'assister? Alors non, pour le coup, personne ne pourra l'assister. C'est vraiment la décision de Jinklas. Vous êtes en train de continuer votre ascension. Mais merci de m'avoir aidé, parce que le joueur voyait pas du tout ce qu'il pouvait faire, en fait. Il n'y a pas de problème. Dans le doute, faut poser la question au MJ. Pour expliquer, il est plus haineux envers 8D6B plutôt que empathique envers ce Zabrak, quoi. Parce que c'est vrai, oui. Bon, Zabrak, ça c'est le joueur qui le l'est parce qu'il est pipou, tu vois, le Zabrak qui était mignon. Le truc, c'est que t'as l'impression de te voir à la place du Zabrak. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça, j'ai l'impression de voir, parce qu'en fait, Jinklas, vous en aura parlé, il a pris des tartes comme ça dans son passé, tu vois. C'est pour ça qu'il les déteste autant, en fait, parce que c'est des... Bah t'as été maltraité, en fait. Ouais, ouais, j'ai été bolossé tout le temps, et c'est pas... Et j'ai jamais pu me lever contre eux, parce qu'en fait, ils étaient trop contre moi, quoi, à chaque fois. Donc j'ai juste subi le truc. Donc tu peux lancer ton jet. C'est le moment. Roulement de tambour. C'est le moment. Oh, oh. Trois succès, tu as quand même deux menaces, mais tu as trois succès. Ouais. Chinte. Au vu de la situation, au vu des circonstances, et à l'utilisation d'un point du côté lumineux, en fait, tu commences à te concentrer. T'es en train d'avancer quand même, hein, malgré tout. J'estime que tu t'arrêtes pas pour pirater. Oui, non, je m'arrête pas. Non, mais en fait, tu te souviens de tous ces moments où tu as été maltraité, tous ces moments où il t'a traité comme une merde, tous les autres qui se sont acharnés sur toi à te traiter comme le pire des esclaves. Et tu te dis, ok, là c'est le moment. Et en fait, tu es en train de hacker son truc. Et tu vois que son bras, en fait, qui est en train de tenir le Zabrak, commence à prendre feu d'un coup. Et il lui explose à la gueule, tout simplement. Waouh. Je croyais qu'il allait se mettre des droites. Pourquoi tu te frappes? Pourquoi tu te frappes? Non, non. Te frappe pour ça, te frappe. Tu viens de faire sauter son bras. Cependant. Ah. Cependant. Au vu de la situation, je vais quand même faire un jet circonstanciel. Bah oui. Un jet circonstanciel. Alors, si tu lances un jet, demande aux gens de choisir un numéro, ça peut être marrant. Ouais, alors je ne vous le montre pas. Trop tard. Parce que sinon, en fait, du coup, on va le relancer. Vous allez me choisir un jet, effectivement, j'y ai pas pensé. Parce que bah, c'est ce que tu fais sur Dark Age, et je trouve que c'est vachement sympa. Merde, je sais pas ce que je voulais faire. Je vais vous demander un score entre 1 et 6. Bon, on a 2-4 pour l'instant. Et ceci, bah 4. Non, Opium, t'as pas le droit de voter. Oh. 8 pour du gras et des... Mais non. Finira par trouver un... par ajouter un bot. Ouais, en vrai, ce serait cool. Ce serait très marrant pour vous. Pour l'instant, on a 2-4, donc on va peut-être partir là-dessus, si ça vous convient. Donc ouais. Je vais lancer un dé. Si c'est 4, l'individu... Donc, ah bah voilà, un 4 de plus. 8D6B va prendre conscience de la situation et regarder au-dessus. C'est cool, hein. Ça sera entre vos mains. Ça sera votre faute. Roulement de tambour. Je lui fais un fuck. Yes. C'est un 2. Jinklas, tu es toujours connecté sur son interface et tu vois qu'en fait, il se lance un diagnostic sur lui-même. Et en fait, il y a des communications qui sont en train de partir, donc tu vois les logs de communication. Clairement, il envoie Où ça va ? Ouais, il envoie des messages aux autres à côté qui sont en train de se promener et en train d'interroger des gens. Clairement, c'est erreur, j'ai l'impression de me faire hacker, qu'est-ce qui se passe ? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, ils vont chercher le hacker près de là où il est, et certainement pas dans le regard. Tout à fait, tout à fait. Parce que là, vous êtes vraiment sur la paroi, en mode « Salut !» Je peux pas te faire diffuser un message par ces terminaux Vox ? Pour parler, là, je sais pas, ça s'appelle comme ça, j'en sais rien, mais... Oui, bah sur les communicateurs, ouais, tu peux. Ouais, c'est... Ouais.
Je peux pas lui faire dire en boucle, je suis un gros gland, je suis un gros gland. Si tu veux, je te l'autorise, je te l'autorise. Pour le fun, ouais, vas-y. C'est un peu ce que Jinklas y ferait. Je te l'autorise. Donc vraiment, bah, il va dire ça, puis tu... parleur, tu sais. Ils comprennent pas, du coup, qu'est-ce qui se passe. Et tu vois le prisonnier qui était en train de se faire matraquer la gueule. Malgré la distance, etc., tu le vois rigoler avec son visage tout tuméfié. Mais ça lui fait marrer. J'aurais pu dire un truc plus opti, genre libérer ses prisonniers, mais... C'est pas grave, je suis un gros gland, c'était très drôle. Vous continuez. Évidemment, il lui fait des fucks comme ça. Vous continuez donc votre ascension pour arriver au niveau 0. Vous n'êtes plus très loin du hangar, si vous vous souvenez. Vous allez pouvoir re-rentrer à l'intérieur si vous le souhaitez. Alors, déjà, on va passer une tête pour regarder. Oui. Alors, le niveau 0 de rappel, hein, c'était la zone marché. Oui. Ou on est d'accord, j'avais eu un moment ou un autre accès au plan du truc. Quand même, tout à fait, vous avez tous les plans. Tu sais où il faut aller. Vous pouvez même. Voilà. Alors. Moi, je voudrais indiquer au moins à mes potes. Après, on discute de ce qu'on fait, il n'y a pas de problème. Mais au moins indiquer à mes potes l'entrée, le sas le plus proche du hangar, évidemment. Alors, je suis désolé, Jinklas. Tu vas pas pouvoir parce qu'il y a Savam qui a fait une data purge la dernière fois. Oui, a purgé toutes c'est vrai, c'est vrai, il n'y a plus les data pads. Ah, mais oui, c'est vrai, putain, je. Donc on a plus rien. Non, j'en sais rien, c'est ce sas là, je le reconnais. Non, mais de toute façon, on va passer par le sas de. Vous allez passer par le hangar principal en fait. Ouais, par l'entrée comme si on était des vaisseaux. Mais à échelle humaine. T'as vu mon bolide? Un truc horrible. Je vais vous demander un petit jet quand même de vigilance globale. De survie. Ouais. Plutôt perception, pardon. De survie dans l'espace. De survie dans l'espace. Pour vraiment voir si vous avez une quelconque menace ou autre chose ou potentiellement que vous croisez. Quelque chose de désagréable. Reste constant. Est-ce que tu veux aussi des jets de discrétion? Pour l'instant, non, parce qu'en vrai, ça se passe bien. Et en fait, ça semble logique, mais les gens ne vont pas regarder les parois au-dessus, genre sur le plafond. Bah oui, non. Bah non. Pourquoi est-ce que. Merde, pourquoi je peux lancer le dé? Jinklas, est-ce que tu nous dis que tu as eu les communications des autres Oui, je vous transfère ça. Je vais vous dire un truc. Du genre, il a filé l'info à ses copains. Ok, Tissa, savoir où sont tous ses copains? Tous copains à Lisa. Dans le niveau au moins 2. Tous? C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Ouais, tous au moins 2 par contre, oui, tout à fait. Ils sont tous ensemble. Bah, ils se quittent pas en fait, c'est normal. Okay. Oui, mais c'est bien de savoir que leur vaisseau est tout seul. Par contre, effectivement, le vaisseau, tu n'as pas la position. Mais tu saurais le reconnaître parmi des milliers. Non, ça se piège pas, ça se donne. Les rebelles, ils ont besoin d'un vaisseau, ils en ont pas. Par contre, question, tu dis j'ai pas la position, mais on n'était pas passé devant l'autre fois? Non, en fait, vous l'avez vu en train de se garer quand vous étiez en bas. Ah oui, c'est ça, ouais. Voilà. On a pas... Ok, pardon, c'est moi qui ai mal. Non, t'inquiète pas, y a pas de problème. Oui, ok. Alors, je propose qu'on commence par aller jusqu'au-dessus de notre vaisseau. On utilise les pistolets grappins pour se faire descendre en rappel dans notre vaisseau. On pourrait pas. Ouais. Vous pourrez pas parce qu'en fait vous êtes obligé de passer par vraiment le sas principal, tu sais, donc l'énorme faisceau laser où tous les vaisseaux passent. Et après vous allez devoir marcher jusqu'à votre vaisseau. Oui, mais si on passe par le plafond, c'est ça qu'il disait en fait. Ah d'accord, ok. Oui, bien sûr. On passe par le plafond et du coup du plafond après on utilise le pistolet magnétique pour faire un grappin et descendre. Je veux bien, mais le truc c'est qu'en fait il y a plus d'apesanteur après, c'est-à-dire que vous allez être sur un truc classique. Enfin, il y a de l'apesanteur, pardon. Et si vous restez trop longtemps la tête en bas, c'est pas dingue. C'est pas faux. Ok. Ouais, bah on peut juste sortir du truc, oui. Se changer et puis. Oui, on sort à l'intérieur du vaisseau. Déjà, on se met dans le hangar. Une fois qu'on est dans le hangar, il doit y avoir des caisses, des trucs comme ça pour se cacher. On se change comme tu dis, on se prépare et on regarde les. Caméra, tour de garde, pour essayer d'atteindre le vaisseau le plus simplement possible. Alors, vous êtes en train de continuer à avancer, vous ne vous arrêtez pas au zéro, donc vous allez vraiment au niveau du hangar principal, là où se trouve votre vaisseau. En fait, quand vous continuez à avancer, vous entendez un énorme bruit, un bourdonnement, mais gigantesque, qui est en train d'arriver, comme une sortie d'hyperespace, mais très puissante, d'un coup. Il n'y a pas de jet de perception à faire. J'utilise un point du côté obscur. Il n'y a pas de jet de perception, c'est un destroyer, quoi. Effectivement.
vous avez un destroyer impérial qui en fait qui rentre dans l'atmosphère, enfin dans l'en... oui, dans l'atmosphère, et qui commence à arriver. Vous entendez ce bourdonnement général. Bah c'est bien Ginklas, t'avais pas eu les clés la dernière fois, il est revenu. Voilà. C'est un okay. Point du côté obscur, ça, c'est bradé. Ouais. C'est bradé. Du coup, si c'est un point, si ça c'est un point du côté obscur, pour un point du côté lumineux, est-ce qu'on peut avoir notre croiseur? Non. Oui, mais un impérial et avec écrit Ginklas for the win dessus. C'est un des croiseurs que vous reconnaissez, tout simplement parce que c'est un des croiseurs que vous avez croisé. Rigolo, bah ça. Oui. Bah oui. Ah, bah oui, le jeu de mots. Non, tout simplement, c'était un des croiseurs qui était en orbite dans le blocus. Ouais, ça me semblait. Ah oui. Ça, par contre, c'est bien, parce que ça veut dire que le blocus est affaibli, ou alors ils l'ont peut-être enlevé. Ouais, ou ils l'ont juste remobilisé, et puis c'est tout. Hein. Oui, aussi. C'est bon, de mémoire, il y a quand même largement assez de vaisseaux, si t'en enlèves un pour maintenir le blocus. Quoi. Hein ouais, ouais. Alors, du coup... Quand tu dis qu'ils rentrent, ils sortent d'hyperespace, genre ils sortent devant l'astéroïde. Bah un peu plus loin, tu sais, c'est pouf, et il arrive. Je crois que c'était dangereux de se transplaner là à côté de... Alors oui, mais en fait, ils ont une certaine distance, c'est-à-dire qu'il est pas à 10 mètres en mode « Salut !» Non, non, il est... Coucou. Et il est facile à 40... Sérieux, Harry, se transplaner. Transplaner ? Quoi ? Il est facile à 60-70 km. Hein, tu vois, oui, d'accord. Donc, okay. Oui, j'aimerais quand même l'imaginer, ok. Alors... Ouais, bah... C'est-à-dire que potentiellement, il connaît l'identification de notre vaisseau. Non, lui, on n'est pas monté à bord, mais bon. Ah non, mais si nous, on a fait des trucs avec notre vaisseau dans un autre croiseur. Oui, oui. Encore une fois. On a juste passé l'info, on a une prime sur notre tête, chef. Oui, mais encore une fois, le vaisseau n'est pas le même, on l'a grimé. Mais donc, si on volait le vaisseau d'un certain camp de gens mercenaires affiliés. Mais nous ça, prendre les deux vaisseaux. Franchement. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, on prend les deux. Ouais, mais c'est un risque pour les gens qui sont dans le Naboominable, le Naboomboom. On prend nos deux vaisseaux. Moi, le Naboomboom, c'est notre nouvelle maison, on en a besoin. Et l'Alliance a besoin d'un vaisseau pour pouvoir quitter la planète et faire leurs opérations pour nous. Donc, on leur donne un vaisseau et on prend le nôtre. Bon. Ça me paraît osé, mais d'accord. C'est pas le pire qu'on a fait. Vous êtes donc... en train de continuer à monter, vous avez entendu le croiseur arriver en plein hyperespace et sortir d'hyperespace. Et au loin, vous entendez le des chasseurs taille qui sont en train de se ramener progressivement. Et ce n'est pas juste une ou deux escadrilles, mais c'est plutôt quatre ou cinq qui sont en train de se promener. Vous voyez que certaines escadrilles sont accompagnées de taille bombers, donc ce sont des chasseurs taille spécialisés dans le bombardement. Et qui sont en train de cercler pour le coup. Et qui sont en train de patrouiller. Ok. Par contre, qu'est-ce qu'ils foutent là en vrai leur copain. C'est pas pour nous qu'ils ont fait ça. Non, c'est beaucoup trop de monde que ce soit pour nous. Oui. Ils ont peut-être besoin de ravitailler. Clairement, pourquoi sortir tous les chasseurs. Le croiseur ne s'approche pas. Il est sorti d'hyperespace, il ne bouge pas. Pour ravitailler, il faut s'approcher. La navette que nous ça avoir vu qui était avec pirates suffire. Ou alors ils ont besoin de main d'œuvre, ils vont acheter des prisonniers. Ça ramène des prisonniers la plupart du temps de ce qu'on a vu. Dans on verra bien. Cas, le bon plan ce serait de faire profil bas le temps que le temps qu'il y a une ouverture. Parce que là, il reste devant la porte pendant 2 mois, on est comme des glands, non? Nous ça pas avoir deux mois. S'il reste devant la porte devant 2 mois, il va y avoir d'autres passages que nous. Oui, il va juste y avoir un protocole ou autre et on pourra s'arranger d'une manière ou d'une autre. Mais là, pas de sortie précipitée. Ah non, c'est surtout que le problème, c'est que nous ça être recherché dans station et attendu à l'extérieur de la station. Mais maintenant, l'avantage, c'est qu'ils ont probablement déjà fouillé nos vaisseaux. Donc on peut y aller. Oui, ça, de toute façon, nous, ça doit récupérer le vaisseau et les armes au pire. J'espère qu'ils n'ont pas eu d'autres vaisseaux, parce que tous les sabres laser qu'on a dedans... Ils sont bien cachés. Ce serait un peu la merde, oui.
Alors, pendant que vous êtes en train de discuter en off, hein, parce que je l'estime que c'est de la discussion off, vous continuez votre ascension, et en fait, vous commencez à passer, bah, vous savez, le rayon donc, qui permet de faire la séparation entre l'entrée du hangar et l'extérieur, donc vous commencez à passer ce rayon, c'est jamais très agréable, donc ça, c'est beaucoup de picotements, et c'est en mode, oh putain, c'est vraiment pas cool. Et vous êtes arrivé à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a plein de vaisseaux, il y a des gens qui bossent, etc., mais vous êtes rentré dans le hangar, maintenant. Bon, on a perdu personne. Tout va bien. Vous reconnaissez Parfait. Quelques vaisseaux par-ci par-là. Vous voyez qu'il y a effectivement ce Gozanti, donc ce espèce de transporteur à taille hein, qui est présent aussi, qui est garé à l'intérieur. Le vaisseau un peu plus loin de tes anciens camarades, des sacs à merde de camarades J-Class, donc cette espèce de griffe rouge hein, qui est présente. Et puis plein d'autres vaisseaux par-ci par-là. Et le vôtre qui est toujours en bon état, tranquille. Il doit faire trop tâches au milieu. Non, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Mais après, il y a plein de en transporteurs vrai, par-ci par-là. En vrai, t'as peut-être raison, Jinklas. On pourrait abandonner le Naboomboom pour le Gozanti et récupérer un autre transporteur qui aurait le droit de bouger sans que ce soit dangereux. J'ai toujours rêvé d'avoir des chasseurs taille. Alors oui, alors par contre, si... Alors... En off, je vous le dis tout de suite, si vous récupérez un Gozanti, alors déjà c'est bien, ça vaut un paquet de fric. Et là, t'as de quoi armer des pirates, oui, clairement. Parce que c'est une base mobile, le truc. Hein. Bah ouais. T'as 8 chasseurs taille dessus. En vrai, hein. vrai d'une place, je pense que t'as raison. Oui, alors moi je parlais juste de voler le vaisseau de mes expos de connards, là, mais d'accord. Moi, le Gozanti, ça me va encore mieux. Bah c'est le vaisseau de tes expos de connards, le Gozanti. Non. Ah oui, bah non. Putain, c'est vénère. Ah, je crois que c'était celui-là. Non, ils ont leur vaisseau à eux. Ce sont des chasseurs. Ce sont des ah oui, des non, le Gozanti, c'est celui de l'Empire. Excuse-moi, oui. Je vais vous montrer aussi. En plus, est-ce que c'est pas genre un vaisseau spécifiquement anti-pirate? Ça peut être effectivement utilisé comme un vaisseau anti-pirate. Ouais, on peut récupérer surtout, les deux sont. C'est pas une croiseur. Les deux sont venus ensemble. Venez, on vole ça en fait. Ouais, non, les deux sont venus ensemble. Moi je dis que ça se tente. Non, mais c'est trop le swag là, on fait ça. C'est bon, on a un équipage qui nous attend. Donc j'en rêve, Squall. Ouais, non, ben on peut de... voir. On va les voir, on change de vaisseau, on récupère celui-là. On leur dit que c'est des techniciens supérieurs compétents et on a besoin d'eux et on vient de leur donner un CDI et voilà, ils viennent avec nous. Ouais, on récupère notre matos. Un Gozanti. On va dans notre vaisseau pour l'instant récupérer le matos. Un Gozanti, ça ressemble à ça pour le coup. J'en profite. Donc c'est vraiment un croiseur. Hein. Donc, j'ai envie de l'améliorer, mais pour l'instant, c'est un peu fragile en termes d'armement. Ouais, mais c'est résistant. C'est hyper stylé. Ah oui, et là, ce qu'on a besoin, c'est de la résistance, surtout. La classe l'emporte sur... les points de style, c'est important. Les points de style, c'est important. Tu devrais y passer. Non, mais par contre... Non, allô. Alors, je vais pas faire de jet, je pense, mais Rai, pour toi qui as particulièrement... Bon, t'as pas travaillé pour l'Empire, mais t'as quand même vécu, tu sais, cette transition, l'Empire, la République, etc. Et t'en as aussi détourné, hein, des vaisseaux et autres. Là-dedans, il y a au minimum une escouade de Stormtroopers. Au minimum. C'est un grand minimum. Ça va, ça reste raisonnable. Par contre, il peut y avoir de ce qu'on appelle, vous savez, les TBTT, donc c'est les TRTT, les deux pattes, il peut y en avoir dedans. Oui, c'est sûr que c'est assez... Oui, quand même un peu le... non, ouais, ça peut rentrer dedans, je t'assure. Ah ouais. Et souvent, il y a aussi des motojets à l'intérieur. Parce que c'est un appareil de reconnaissance, mais aussi d'intervention. L'avantage, c'est qu'ici, ils ne feront pas feu à l'intérieur. Non, ils sont pas cons. C'est moins une menace. Techniquement. Non, mais l'avantage, c'est qu'on peut faire feu, nous, à l'intérieur du Gozanti. Techniquement. Comme on a dit au début, les vaisseaux, on peut se battre à l'intérieur avec des lasers et tout, parce qu'ils sont pressurisés. Là, l'avantage, c'est que c'est un Gozanti qui est un peu plus grand. Donc, normalement, ça contient entre 4... Ça peut contenir jusqu'à 4 chasseurs taille. Soit 4 chasseurs taille, soit un bombardier, soit un taille avancé, soit 2 TBTT, soit 2 TSTT, donc c'est plus petit, ou des tanks. Voilà. Là, clairement, il doit y avoir au minimum un bipode à l'intérieur. Donc, c'est une force de frappe, mais monumentale. Si jamais vous mettez la main là-dessus, vous avez de quoi armer une petite rébellion. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ça se revend pour avoir des hommes à la place. On dirait que c'est des TRTT qui sont dedans, c'est pas des TBTT. Ça peut avoir des TBTT, mais un seul. Ah oui.
Mais c'est okay. Immense comme vaisseau. Bah oui, c'est grand. Imaginez que le TBTT, il peut se faxer. Ça fait 63 mètres de long pour 32 mètres de large. Donc oui, ouais, c'est grand. Fat, ouais. Et 14 mètres de hauteur. Je vais me tourner vers les deux Twi'leks. Oh, ça fait plus que 14 mètres de hauteur, hein, TBTT, what the fuck, ça fait au moins... Je sais plus. Oui, mais les pattes, elles se replient ou ils les démontent. Oui, je pense qu'il peut se... Tu sais, il peut se mettre en position assise, genre, avec les pattes. Ça fait 22 mètres de hauteur, mais oui, si ça se plie... Peut-être que la soude, c'est le même principe qu'un sac sans fond, tu vois. On sait pas, en fait, tu vois. Genre, ta gueule, c'est magique, tu vois. Je veux dire, ça marche. Non, moi, je le voyais vraiment... On vit une et de revendre le vaisseau, on se ferait, mais... Non, mais tu le revends pas, ouais, ça. Ouais, parce qu'il est stylé. Là, c'est pas mal à garder quand même. Plaquer les dents en or, quoi. Du coup, tu regardais les Twi'leks. Ouais, je vais regarder les deux Twi'leks. Savoir piloter. Ouais, ça dépend. Tu vois qu'elles se regardent. Pas des gros trucs, non. Est-ce que vous aimez casser la gueule à des Stormtroopers? Alors, ça, oui. Je vais montrer. Du coup, avec Jean Class, il a vu le vaisseau. On voit le vaisseau de ses anciens camarades. Ouais. Donc, je vais le pointer du doigt, savoir piloter ça. Du coup, tu vois que la plus âgée dit ouais, moi, clairement, ça, y a pas de problème. Il ressemble à quoi le vaisseau des pirates? Alors, je n'ai pas de photo, mais en fait, c'est plus un vaisseau un peu long, tu sais, un peu comme votre premier vaisseau, vous savez, le Naboomboom, mais en beaucoup plus étroit. Naboominable. En beaucoup plus étroit, avec une tête de griffe, en fait, clairement armée jusqu'aux dents. Et en fait, il a les ailes qui peuvent être rétractables ou pour se mettre en position de combat ou pas. Et en fait, il y a facile 8 tourelles. C'est limite un chasseur, en fait. C'est un chasseur lourd, pour le coup, qui a été vraiment mais maximisé à mort pour qu'il y ait l'équipage, 5 personnes en équipage max. Mais par contre, c'est très vétuste à l'intérieur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce truc? Mais c'est pas pour vous, il veut les donner aux Twi'leks. Ah oui. Ah oui, non, c'est pour que les Twi'leks... En fait, moi, je veux avoir des vaisseaux, parce qu'après, avoir des vaisseaux, c'est du matériel. Le matériel, ça se marchande contre des hommes. Mmh. Merci. Comme j'ai dit, mon but c'est de récupérer leur gang. Et si on arme leur gang et qu'on les aide à pouvoir s'expandre, en échange, elles portent nos couleurs. Si elles portent nos couleurs, elles m'appartiennent. Je fais des raccourcis rapides, mais si ça passe, je tente des trucs. Donc, déjà, Noussa, elle est dans notre vaisseau. Et là-bas, nous ça faire un point sur la situation et sur la façon d'agir. Ok, tu vois que vont vous suivre. Vous allez déjà enlever les scaphandres et tout, hein, vous allez vous changer. Ouais. Vous voyez qu'il y a quand même des tenues par-ci par-là, des tenues de mécano ou autres que vous pouvez récupérer, au moins pour les deux prisonnières, parce que clairement, passer en tant que prisonnier, ça va pas le faire ici. Je vais profiter que les Twi'leks se changent pour approcher du captain. Ouais. Tu m'as fait flipper. Non, mais what the fuck, non. Captain, t'es sûr qu'on peut leur faire confiance si on leur file un vaisseau? Je rappelle qu'on doit récupérer la clé. Missa, ne pas être sûr. Missa pensait qu'elle sait avoir un minimum d'honneur et Noussa. Des pirates et des criminels. Bon, un peu comme nous, mais... Noussa, ne pas les envoyer toutes seules. Noussa, les suivre du début à la fin. Et Elsa, aller sur la même planète que Noussa. Donc, Elsa, devoir nous suivre pour passer le blocus de toute façon. Ouais, ça pue cette idée. Si elle se barre, on est foutu pour la clé. On peut mettre un tracker sur le vaisseau. Ouais. Oui. Noussa, vouloir leur faire confiance. Elle sait avoir la même destination que Noussa, donc... Il sait y croire. Mais un tracker, ça vaudra mieux. L'autre solution, ce serait de les assommer et de les emmener, mais... Oh, pas les assommer, les emmener, vous... Mais comment je les recrute après? Oui, c'est vrai, mais bon. Alors... Ça, être gentil, toujours être gentil pour recruter. Elles sont en train de se changer très rapidement, donc vous voyez qu'elles vont juste mettre un truc par-dessus pour cacher un peu leur tenue prisonnière. Alors, en vrai, si Ginklas, tu vas avec, l'avantage, c'est que tu connais le vaisseau. Bah oui. Tu sais le piloter. Tu sais en plus où trouver tous les codes, etc. Tu sais l'ouvrir. Oui, et puis,
Je sais où sont les cacahuètes. Aussi. Mais s'il y a quelqu'un à bord, si ça savoir quoi faire. Il y aura personne à bord, ils sont tous en bas. Ça avoir peut-être recruté une nouvelle personne. Oui, bah on le désingue quoi. Oui, ouais. Oui, mais Missa va être sûr que Tissa savoir quoi faire et savoir agir au moment venu. Sans quoi faire. Je t'ai vu te figer 3-4 fois en les voyant de loin, donc je préfère te demander. Et si tu me le dis. Parce qu'ils étaient loin. Confiance. Ils sont prêts, je me laisserai pas faire, capitaine. Okay. Missa ouais. Confiance en toi. Merci, capitaine. C'est le meilleur salaire du monde, capitaine. J'adore me faire payer en confiance. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Bah, on a notre vaisseau, maintenant. Non, mais on va Saban, se split, là, moment. Non, oui, mais d'abord, on va à notre vaisseau. Tu peux récupérer ton armement avant d'aller dans l'autre vaisseau, c'est mieux. Oui, bien sûr, bien sûr. Par contre, Savam, si ça prendre notre tête. Bien sûr. Il va falloir pirater aussi, il va falloir pirater les portes du vaisseau du Gozanti. Oui. Oui, donc on va partir à 3 vaisseaux en fait. Non, du coup on va partir à 2 vaisseaux. On va pas prendre le Naboomboom. Ah, on prend. Ouais, on récupère le matos du Naboomboom, mais en. Non, non, du coup t'as raison parce qu'en fait, effectivement, ils peuvent. Même s'il est pas recherché, il est possible que ce soit la station qui les a appelés en renfort parce qu'il y a quelque chose de très très louche ou qu'eux, en scannant le vaisseau, ils aient trouvé qu'on était. Qu'on était recherché, donc que ce soit ça qui les a appelés. Et du coup, la cargaison qu'on a dans les codes dedans. Bah, les sabres, parce qu'on a filé le matos aux hommes. Il reste plus que les sabres laser et notre matos à nous. Hein les types qui étaient avec nous aussi. Oui, on va récupérer. Les rebelles sont. Ouais, ils sont là. Hein. On va récupérer les deux rebelles. Ils ont évidemment que nous allons les récupérer. Oui. Alors, du coup, vous vous dirigez vers votre vaisseau, donc il n'y a pas de GFR ni quoi que ce soit, parce qu'en fait, vous n'avez pas un comportement suspect, vous êtes juste en train de revenir. Les gens font pas un comportement suspect. Bah non. On arrive depuis l'espace. Bah les gens font pas. En fait, les gens font pas attention parce qu'ils sont en train de bosser. En fait, ils ont pas le temps pour. Tu sais, Savam, il a les cheveux en pétard en étant passé dans le truc et tout. Non, ça va. Ça dans va. Dans le champ de force. On est pas suspect. Avec Jinkas, on a la fourrure qui est hérissée. Du coup, c'est des boules de poils. Ah, c'est ça. Putain, c'est je vois encore frisé. Chier. Si tu le touches, tu te manges une décharge. Je te jure. Non. En fait, vous êtes en train de vous diriger vers votre vaisseau. Vous voyez qu'il n'a pas été touché ni quoi que ce soit. Donc, quand vous commencez à vous approcher, vous pouvez désactiver et les sécurités. Vous voyez que les rebelles sont encore là. Donc, ils sont un peu surpris de vous voir débarquer par autre part que vous êtes arrivé. Enfin, que vous êtes parti, pardon. Et en fait, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur. Mais il y a un des rebelles qui dit ça va, tout se passe bien. Oui. Tip top. Ok. Comme ça, c'était prévu dans le plan. Exactement. D'ailleurs, savoir réussi avec brio. Tu as dit quoi, Rai? La Mandalorienne, est-ce qu'elle est finalement effectivement retournée au vaisseau? Non, elle est pas revenue. Bah non. On a perdu. Non, mais elle nous fait chier. Il va falloir qu'on fasse demi-tour après ce retour. Non. Elle mais vous avez sa clé. Hein. Vous avez sa clé, donc vous en battez les couilles. Oui, on a sa clé. Ah, elle a fait sa vie. On peut aller couilles. On peut aller chez là. Comme Link, on va essayer de l'appeler. Du coup, ça fait non. Ça, c'est la sonnerie Teams. Ouais. Je l'ai. En version techno. Non, je le prends techno. Je réessaye. Non, pas de réponse. C'est pas vrai. Aïe aïe aïe. Naburganesh. Captain, on va pas partir sans elle. Déjà parce que pour quelqu'un qui parlait d'honneur il y a quelques instants, ça se fait, c'est un peu moche. Et ensuite, je suis pas sûr qu'on ait envie d'avoir une Mandalorienne comme ennemie. Jinklas ? Oui. Si ça pouvoir la détecter avec son comlink, vu qu'on connaît ses codes. Bon, si j'ai un terminal à côté, oui. On est dans notre vaisseau, donc oui. Vous êtes de retour dans le vaisseau, donc oui, tu peux la localiser. Je vais t'autoriser un jet de mécanique, s'il te plaît. IR programmeur. Un jet de mécanique. Il a la ref, bien. Non, t'as 3 avantages, tu peux le transformer en une réussite. Oui, c'est exactement ce que je vais faire. Oui, elle est au moins 1.
Elle est toujours là-bas. Bah oui. Voilà, elle est là et je mets ma grosse patte griffue sur la carte. Par contre, elle a envie. Il n'y a pas de problème, il y a ses signaux vitaux, etc. Ouais, oh, ça va, c'est bon. En vrai, elle a pas l'air si mal là. Il y avait des entrées de sas dans le niveau moisin. Oui. Okay. On peut envoyer un message. Bien écrit, sûr, bien sûr. Non, un texto. Je vais lui écrire. Qu'est-ce que tu fous? Tu pirates oui. les annonces de la station. Bébou, tu es où? MDR, t'es où? La petite mandalorienne est demandée à l'accueil, je répète. Totalement. Bon, le plan, c'est qu'on embarque les vaisseaux et on va se coller au SAS. Alors, moi j'aime bien l'idée, sauf que le croiseur et les chasseurs taille à l'extérieur seront peut-être pas du même avis que ça. Ouais. Bon, ils vont faire vite. Alors, oui. Du coup, tu envoies un message textuel en mode t'es où? Vraiment? Ouais, c'est du fou, on t'attend. Peux pas, 5 connards qui sont présents en bas, je m'en occupe. Non, c'est un connard, mais c'est des okay. connards à moi. Oui, clairement. Dis-lui que. Je veux dire, il ressemble à quoi? Pas le temps, elle va pas te dire, bah, il ressemble à ça. Dis-lui qu'elle a, dis-lui qu'elle a une heure. Dis-lui qu'elle a une heure. Non, et non, si elle est avec d'autres connards, faut qu'on aille peut-être l'aider, non? Bah, ouais, je pense qu'effectivement, on prenne le vaisseau, qu'on soit prêt pour le départ, on va se coller au SAS, et on va la chercher, on va l'exfiltrer. C'est une très très bonne idée. On peut faire ça, ouais. Peut faire ça. Et une exfiltration, c'est globalement relativement rapide. Oui, totalement. Oui. Que d'y aller vous-même, Manu Militari. Dis-lui rendez-vous dans une heure au SAS. Au sas de ton étage. Nous, ça nous laisse le temps de prendre les vaisseaux et, comme disait Sabam, le temps de laisser un petit peu de temps passer pour voir un petit peu ce que font les gens dehors et que ce soit pas trop suspect en mode « Oui, on s'enfuit !» d'un coup sec. Donc ça, l'idée de Sabam de rester un petit peu, voir un peu ce qui se passe, c'était une bonne idée. Je pense que là, une heure, ça devrait nous laisser le temps de faire un petit peu tout ce qu'on a envie. Elle, ça laisse le temps de s'amuser avec tes copains. Et comme ça, après, on la récupère avec le plan de rail. Si ça va à tout le monde. Ouais, moi, ça reste visiblement vu le gabarit des gars, c'est probablement des tueurs professionnels. Elle aussi, je pense. Oui, mais bon, 5 tueurs professionnels contre une tueuse professionnelle. Bon, ouais. Les calculs sont relativement rapides. Ouais, j'aime ces probabilités. C'est quand même des têtes de pioche. Regarde le message. Regarde le message qu'elle a envoyé, elle a pas l'air en détresse. Hein. Ouais, le trop plein de confiance, ça tue des gens plus vite que comme la sœur. On est toujours pas mort, hein. T'es d'accord. La force, peut-être. Alors qu'on a quand même pris d'assaut un croiseur impérial. On n'est pas mort. Je sais pas. On peut faire ma raclette, mais bon, vous me voyez, moi, d'habitude, affronter un inquisiteur impérial. Hein. Ce que j'ai, c'est simple, en faisant vite. Bon, récupérons le vaisseau et on verra après. Sauvetage de cacahuètes en cours, RDV, SAS, niveau -1. Voilà. Et mets un timer. Ah oh oui, tu peux mettre un timer. Tu gères avec les autres. T'envoies le OK. Du coup, au pire, je pense qu'elle pourra se cacher au moins une heure. Oui. Vous récupérez votre équipement, donc vous savez quand même qu'il y a les détecteurs, donc ils vous ont fait chier, hein, je tiens à le préciser quand même. Vous savez, pour rentrer dans la station. Alors oui, mais là, on reste dans le hangar, donc on n'a pas besoin de passer le truc. Oui, oui, oui. Il n'y aura pas de problème. C'est une question. Non, il n'y aura pas de problème. Okay. Juste au cas où, si jamais vous repartez. Donc... Vous récupérez votre équipement, donc vous pouvez noter sabre laser, etc. Tout a été récupéré, réutilisable. Donc par contre, les blasters, faites gaffe, hein, faites pas les cons. Oui. Deuxième question. Une petite larme de joie quand je vois mes lance-roquettes. Ma vie manquée. Est-ce que t'avais dit qu'on pouvait les utiliser? Moi, je me souviens que t'avais dit qu'on pouvait les utiliser dans les vaisseaux quand ils sont fermés. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Okay. Parce qu'en fait, c'est un système à part entière. Oui, c'est ça, ce que t'avais dit. Ils ont leur propre. Atmosphère et tout, donc il n'y a pas de problème. Normalement, il devrait pas y avoir de gaz explosif dans un vaisseau. Normalement, ça devrait aller. Normalement. Parce qu'il n'y a pas du contraire. Par contre, à l'extérieur, si vous sortez juste le sas est ouvert du vaisseau, ne tirez pas. Oui, non. Je préviens juste. Non, il va falloir dans le. Comment il s'appelle, putain, ce truc? Gozanci. Ouais. Et j'imagine que la porte est verrouillée. Alors, bah déjà, en fait, déjà, vous pouvez regarder parce que vous observez le Gozanti quand même, hein, avec soit caméra, bête, hein. Soit tout simplement une macro-jumelle en mode « Hey, il se passe quoi ?» Et en fait, vous voyez qu'il y a 400 troopers qui sont à l'extérieur.
J'imagine, il y a les Stormtroopers, ils voient juste un mec qui arrive avec ses jets. Ouais, c'est ça, genre, vraiment, mais qu'est-ce qu'il fait ce con là? C'est vous qui regardez. Il est chelou lui. C'est, il bombe le torse. Non, non, il y a qu'à. T'as les 4 mecs qui sont là. 4 Stormtroopers les plus classiques possibles qui sont juste là en train de garder l'entrée du Gozanti. Rien de particulier, les chasseurs Thaï ont été rajoutés, enfin ils sont revenus, clairement ils se sont reposés sur le Gozanti. On les largue au vol. Non, en plus c'est trop cool. Non, non, ah, oui, on les largue que dalle, hein, Rai, hein. C'est ouf. Oh, oui. Imagine pas ce que je peux faire avec tout ça. Hein. J'ai toujours rêvé d'avoir un canon laser portatif. Quoi? Et là on parle d'un chasseur. J'suis pas très chaud à l'idée de de cogner des Stormtroopers. Allez, vu, fait... regarde tout le monde. Mais sinon, on crée une distraction quelque part. Oui. On a un Jedi avec nous qui va. Un Jedi. Je passe derrière eux, on s'arrange pour les faire rentrer. Voilà. Et on moi, je simule une attaque cardiaque devant eux. Ah bah non, ils me connaissent peut-être, c'est peut-être un peu con. Alors. Ah putain, toutes ces cacahuètes. Ah c'est deux secondes. Juste deux secondes, histoire qu'on mette tout à plat. Par contre, l'infiltration, c'est Rai, Sabam, moi pour le Gozanti, et Jinklas, les deux prisonnières et les deux rebelles pour le vaisseau pirate. Oui. Est-ce que ça va à tout le monde? Est-ce que c'est ça qu'on avait dit à un moment? Est-ce qu'on est bien là-dessus ou pas? Ça paraît bien. On aura probablement besoin des rebelles pour piloter le Gozanti, par contre. Ça peut se piloter à une personne. Ouais. Ouais. Ah ouais. Parce que même un croiseur, genre la main de Grievous se pilote tout seul, donc pourquoi pas. La main de Grievous, quoi? Enfin, peut-être pas tout seul, mais ils ont qu'ils sont trois pour les piloter. Oui. Après, c'est des droïdes, donc ça aide. Mais honnêtement, c'est jouable. Ok. Il est à eux. Il y a de la bagarre. Est-ce que ça vous va comme ça, du coup? Ça me va. Ok. En matos, on n'a plus rien à part les sabres laser. On est bien d'accord? On a nos flingues, hein? Non, vous avez récupéré toutes vos armes. Oui, non, mais nos armes, on a nos armes à nous, mais en matos bonus, on n'a plus que les sabres laser parce qu'on a filé le reste aux oui, rebelles. Oui, tout à fait, ouais, ouais. Ok, je vais filer mon pistolet à ion à l'une des Two Lakes. Ok. Donc elle est quand même quelque chose au cas où dans le vaisseau pirate. Ouais, bah tu vois qu'elles attrapent aussi des lames et autres, hein, clairement, elles ne foncent pas trop corps à corps s'il y a besoin. Oui, oui, voilà, mais bah, si elles ont des... Bah, pour moi, il n'y avait plus rien, donc elles n'avaient pas de lames à attraper, mais si elles peuvent attraper des lames... Non, mais tu sais, au moins quelques vibro-lames ou vibro-épées, vous en avez encore, hein, donc clairement... Ok, bah, je lui file quand même un pistolet à ion, histoire 2. Ok. Et moi, je prends ma vibro-rapière, de toute façon. Ok, très bien. Voilà, comme ça... Et du coup, je leur dis, nous ça, nous occuper du Gozanti, vous ça, vous occuper du vaisseau qui est là. Et quand nous ça, vous le dire, partir avec nous, retourner sur planète. Et nous ça, vous ça, nous suivre pour la marche à suivre. Ça marche. Du coup, tu vois qu'elle s'équipe. Je vais faire un petit jet quand même, voir si elles ont compris ou elles veulent nous faire un petit coup fourré au cas où. Y a pas de jet à faire, honnêtement. Là. Au vu de la situation, elles ont pas trop le choix en fait si elles veulent sortir d'ici. Oui. Mais ça semble logique en fait. Je sais, mais Rai il m'a mis le doute. Non mais il a raison. Il a raison. Alors, ça oui, il a raison. Que moi une Maybook, si je suis libéré avec un vaisseau gratos, je me. Oui, mais elles vous ont dit qu'elles voulaient revenir sur la planète, donc elles reviendront sur la planète. Okay. Ok. Et ben vous pouvez lancer l'opération, messieurs. Alors. Maintenant, le mieux que ce soit vous qui vous dirigez en premier vers le Gozanti, ouais, je pense. On va avoir un peu plus de boulot, ouais. Ouais, je pense que c'est mieux que vous partiez d'abord et après, moi, je pars avec les deux rebelles de l'autre côté, là-bas. Je remets le sabre dans sa cage de bras. Ouais, y a pas de problème. Moi, je vais garder par contre mes armes, mes carabines laser et tout avec moi. Mon fusil laser aussi pour aller de l'autre côté, là-bas. Comment s'appelait le nouveau truc que j'ai eu? Du coup, je vais te passer en premier. Ouais. Avant de sortir du vaisseau, j'active mon camouflage optique. Et je vais me diriger vers le Gozanti. Je vais passer
derrière, slash entre les gardes, un peu en fonction de là où il y a des opportunités les plus intéressantes. Monter la rampe et commencer par jeter un œil à ce que je vois en termes de, d'autres personnes à l'intérieur. Ouais, donc toi tu vas commencer à avancer. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? On attend son signal, je pense. Ouais. Okay. Dès que les gens vont repartir... Je vous indique, rapprochez-vous, mais... attendez mon signal. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Alors, tu commences à te promener à l'intérieur, etc. Et en fait, bon, il n'y a pas de truc particulier au premier abord. C'est-à-dire qu'en fait, tu passes vraiment tranquillement avec le générateur de camouflage et tout ça. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de storms. Au total, tu dois en compter facile une vingtaine. Tu croises 4 pilotes à un moment. Tu vois qu'ils sont en train de discuter, puis il y en a qui vont au mess, clairement. Ils sont en perme là, tu vois, ils ont rien à foutre, hein. Y a pas de problème. Mmh. c'est plutôt tranquille. En vrai, ça va, ils ont leur meilleure vie. Par contre, quand tu commences à t'approcher en fait, du poste de pilote, bah, tu te rends compte que déjà, il y a des officiers hein, qui sont présents, donc officier d'appontage, enfin notre officier principal, etc., le commandant. Et tu reconnais trois personnes, du moins, t'es pas sûr, mais ça a l'air d'être ça, au vu des uniformes, et c'est surtout ça que toi qui tique. Pour toi, il y a trois clones qui sont présents. Donc, premier, deuxième, troisième. Ils sont en train de discuter. Oh là là. Ok, des clones. Bizarrement, j'aime pas trop les clones. Hmm. Du coup, tu vois qu'ils sont en train de discuter avec le commandant de bord. Mm-hmm. Donc, un des clones, visiblement. Donc, clairement, pas forcément le plus charpenté, mais plutôt celui qui a une combinaison un peu plus technique, on va dire. S'adresse à lui, commandant, j'espère que vous savez ce que vous faites. On perd un temps précieux à rester simplement à docker. On pourrait les trouver n'importe où. Il est important que vous gardiez votre place. C'était 666-7. Vous n'êtes qu'un soldat après tout. Désolé, je ne sais plus parler ce soir. Veuillez vous cantonner à vos ordres et attendre vos instructions. Clairement, tu l'entends grommeler, le clone. Il se dirige vers les autres. Et t'entends, un jour j'aurai sa peau à cet enfoiré. Je vais réfléchir à la meilleure manière de faire rentrer mes copains. Il y a beaucoup de monde, je pourrais les assommer les uns après les autres, faire ça lentement, petit à petit, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Mmh. J'estime combien de personnes pour le moment? Il y en a facile une trentaine. Ce qui n'est pas déconnant pour un équipage, pour un vaisseau de cette envergure. Non, en vrai une trentaine ça va. Ok, tu sais quoi? Je vais déjà transmettre par message écrit au capitaine ce que j'ai entendu avec les clones. Et puis je vais me faire pour mission de me trouver un endroit, genre local d'entretien. Ouais, totalement. Dans lequel je vais pouvoir entasser les gens évanouis. Ah, tu veux les évanouir un par un? C'est ça. C'est chaud, hein? Ouais. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça va se rendre compte de quelque chose, ouais. Le problème, c'est que... Bon, 30 personnes, en vrai, il y a moyen. Et le problème, c'est que les autres moyens de les faire tous sortir vont potentiellement créer une alerte. Choper des uniformes est une solution, mais le but ce serait plus... Ah, ou alors je fais en sorte de faire rentrer les quatre gardes
je vais à l'endroit où je peux faire remonter le pont. Je fais signe au capitaine et aux autres de rentrer, je referme le pont derrière, et là on se les fait tous à l'intérieur. Ah oui, l'idée c'est de... Le principal obstacle en vrai, c'est les 4 gardes, parce qu'on on va pas tuer des gardes genre alors qu'il y a littéralement l'entièreté de la station qui peut nous regarder. Oui, okay. Voilà, c'est ça. Donc alors, en fait, le but c'est juste de nous faire rentrer avant qu'on arrête. Alors là, c'est autre chose. Je me trouve l'endroit où je peux faire remonter remonter le truc. Et la porte. Je vais utiliser un de mes pouvoirs de force. Un des pouvoirs dans lesquels je me suis entraîné. Le pouvoir d'illusion. Alors, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Comme illusion, je vais faire l'illusion d'un type qui débarque d'un de leurs angles morts, aux quatre, et qui juste passe au travers d'eux, en courant, en bousculant, pas en les bousculant, mais qui donne l'impression qu'il va rentrer dedans ou quoi, mais juste qui va passer au travers d'eux, qui va rentrer à l'intérieur, pour que les quatre le suivent. Oh, ok. La team cook. Et je vais te demander un jet, parce que c'est très intéressant. Je te demanderai au minimum 3 réussites quand même. Parce que là, c'est 4 esprits que tu veux essayer de. Ouais, tu peux manipuler. Claquer un point de code à 8000. In my book. Oui. Allez. Un jet de magouille, ça te va? Je dirais tromperie. Ah oui. Parfait. Hop. C'est parti. Mmh. 5 réussites, 4 avantages. Mmh. Ça devrait passer. Alors oui. Ah, ça passe là un peu. Du coup, tu lances ton illusion. Donc en fait, c'est genre un ado un peu sur le pas qui commence à courir en fait, qui les bouscule. Les autres, vous vous rendez compte que vous voyez une espèce de fluctuation. Un truc étrange en fait. Comme si il y avait un élément qui venait d'apparaître un peu plus loin au niveau des gardes, mais vous savez pas trop ce que c'est juste très, très léger, il y a quelque chose. Et les gardes se retournent, font « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Et « Hey, toi, alors reviens, reviens !» Et ils commencent à lui courir après, à l'intérieur du vaisseau. « Oui, allez !» Capitaine, on vous attend. Oh oui, on est parti. C'était le signal. Commencez donc à foncer. Oui. Au bout de quelques secondes à courir dans le spatioport, vous arrivez au niveau du Gozantier, à l'entrée. Donc les gardes qui sont complètement en train de chercher à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? On s'engouffre dedans et on tabasse les premiers une fois qu'on est à l'intérieur et que les portes vont commencer à se fermer, vu que de ce que a dit Sabam, il allait attendre qu'on rentre pour les fermer. Donc, pendant que les formes... Je lance le truc pour qu'elle se referme. Voilà. Commencez donc. Et du coup, pendant que c'est fermé, nous on tabasse. Tout à fait. Bon, on entre. Ouais. Ah, enfin dans la place. Un nouveau vaisseau. Missa bien aimé ça. Mince. Je cherche une musique. Pas du tout ça. Une nouvelle maison, ça se baptise. Avec du sang d'impérial. Là, ça va se baptiser, ouais. C'est un combat qui se déclenche pour le coup. Donc... Mais la musique qui déconne encore, cette musique-là, juste cette musique. Ah ouais, J'ai deux questions. J'ai F5, c'est bon. J'ai juste deux questions. Oui. Première question. Quand t'as dit il y a 30 personnes, c'est pas tous des combattants, il y a aussi les pilotes. Ah non, c'est des officiers, il y a plein de troupes, il y a plein de choses. Ok, d'accord. Deuxième chose, au niveau du live, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parce que moi j'ai énormément de freeze au niveau de Twitch, et je sais pas si c'est que moi. Donc si c'est que moi, ça va, mais... Oui, n'hésitez pas à nous dire, parce que pour le coup, aucun souci. Ok. 20 femmes de ménage, non. C'est parfait, c'est que moi, alors ça va. Voilà, c'est juste ça. Ok, du coup, vous commencez à rentrer, et vous voyez en fait deux Stormtroopers qui sont face à vous, tandis que Sabam, tu appuies sur le bouton pour fermer la trappe. Vous entendez le... Ça commence à remonter. Jinklas, toi tu es avec les deux Twi'lek en direction de l'autre vaisseau. Donc t'es en train de t'approcher du vaisseau. Et en fait, tu te rends compte que ces cons ont même pas changé les codes. Bah non, mais ça je m'en doutais, de toute façon c'est des abrutis finis, donc évidemment, c'est sûr.
C'est toujours 1, 2, 3, 4, 5, hein, de toute façon, le pass. Eh oui, en vrai, oui, bah, je te le ah oui, non, mais carrément. Bah ouais, à la rigueur, ils ont rajouté un dièse, si tu veux, mais ils sont cons, quoi. Tu commences à désactiver, tu sais, tout système. Ah, mais je le shutdown complet, hein, au niveau tu rentres sécurité. À l'intérieur, du coup, avec les Twi'leks. Ouais. Et c'est alors que, lorsque tu es en train de rentrer, et que nos trois autres compères sont en train de se préparer à se battre contre les Stormtroopers... Oh, le God.